On est parti en fait d'un constat très simple, c'est qu'il n'y a pas réellement de magazine culturel à Toulouse qui fédère l'ensemble des disciplines que la culture peut fournir donc aux Toulousains. Donc l'idée de base aussi c'était d'avoir un magazine fait par des Toulousains pour les Toulousains. Donc c'est vraiment la base du magazine et puis aussi avoir un grand format parce qu'on est tous amateurs de belles photos, de belles images. C'est vrai que Leitmotiv a été le premier à proposer effectivement des sélections d'artistes, que ce soit de Toulouse ou d'ailleurs, mais qu'on trouvait justement le format un peu réduit, donc qu'on trouvait un intérêt à présenter un magazine culturel, donc avec un grand format pour pouvoir justement jouer sur le visuel et ne pas rester que sur du contenu. Donc vraiment, ça a trois idées de base. Fédérer la culture, parce qu'il y a beaucoup de magazines qui sont sur un seul thème. Mais aussi donc faire un magazine par des Toulousains pour les Toulousains et aussi avoir de l'avance sur le visuel plutôt que sur le contenu. Même si on met l'accent aussi sur le contenu. Mais l'important pour nous était justement de s'axer beaucoup sur le visuel. Pourquoi Taki? Tout simplement, en fait, c'est une contraction d'une expression américaine qui veut dire take it easy. Et l'idée en fait de take it easy, c'est un petit gimmick pour dire tout va bien, c'est pas grave en fait. On est 18, on est sous forme associative actuellement. On est 18 depuis peu, depuis une semaine et demie ou deux. Et donc on est tous bénévoles pour l'instant. On a tous pratiquement un travail à côté pour manger. Et là c'est vraiment une passion. Donc c'est vraiment un magazine de passionnés avant tout.